aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des nouveaux défis qui viennent d'arriver des 14 jours d'été. Alors comme vous pouvez le voir, le petit livre qui nous indique tous les défis qui sont présents pour les 14 jours d'été qui viennent d'arriver. Nous allons voir directement les défis qui sont disponibles. Hop. En même temps je vous montre vite fait la boutique d'objets. Avec le premier skin nomade estival qui fait partie de l'ensemble, enfin nomade, mais qui est des 14 jours d'été. Vous aurez plusieurs styles de skins qui vont sortir pendant ces périodes de défis. Comme vous pouvez le voir, vous avez le skin nomade version vacances d'été, vous avez vu, plage, petite claquette dorée, short de bain, pistolet à eau, et vous avez son... arme, son revêtement d'arme qui est quand même assez stylé pour 500 V-Bucks, qui n'est pas très cher je trouve, et tout le reste. Enfin bref, nous allons au défi des 14 jours d'été qui dure 20 jours, 23 heures et 51 minutes, pardon. Bon, après c'est parce que le défi vient de sortir. Et pour le premier défi, vous avez les modes sous l'eau. Et pour faire ce défi, vous devez danser à différentes fêtes sur la plage. Vous devez faire, à mon avis, 6 emotes sur différentes fêtes de plage. Et si vous terminez 14 défis, vous pourrez gagner l'accessoire de dos smoothie. Qui est assez marrant. Vous avez un smoothie qui est... je pense le skin banane transformé en smoothie par Dionysy quand il était enfermé dans le bunker. Puisque à la fin de la cinématique, vous pouvez le voir avec ce verre de smoothie et son ami la banane. Et comme je vous disais, il faut que vous terminiez au moins 14 défis. Enfin voilà les amis, c'est ça tout pour cette vidéo. Des 14 jours d'été, des défis des 14 jours d'été. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de la partager aux amis et surtout, le plus important, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci les amis, merci.